Originaire de La Réunion, aujourd'hui vous êtes dans mon studio. Alors je suis beatmaker, compositeur, ingé son en mixage et mastering et aussi formateur pour des jeunes. Le déclic pour moi, c'était quand j'avais 10 ans, j'ai découvert la musique des années 80, le rap et tout ce qui va avec. Il y avait aussi mon tonton qui était batteur dans un groupe de Sega et qu'on suivait partout dans tous ses concerts. Il était DJ aussi, c'est à partir de là que j'ai décidé de faire ça, mon métier. Mes premiers pas, ça a commencé quand j'avais l'âge de 16 ans. On avait un petit groupe de rap et dans mon quartier, il y avait un petit gars qui avait un ordinateur, c'était le seul qui avait ça. Et il composait des trucs pour nous qu'on pouvait chanter, mais à l'époque, c'était sur cassette. Et après, c'est parti de là. Alors, les difficultés pour moi, c'était à l'époque, il n'y avait pas trop de studios. Comme nous aujourd'hui, c'est plus à faciliter les home studios. Et c'était des studios qui étaient pas abordables pour nous en tant que jeunes. Et donc, okay, l'idée, il fallait monter une structure, monter un studio pour pouvoir enregistrer nos sons. Donc, quand je commençais en tant que rappeur, il fallait bien avoir des sons. Et donc, je me suis décidé, soit faire l'un ou l'autre. Et je me suis plus mis dans la composition, le beatmaking. La Soprason Family, qu'on avait créé ça, c'était pour réunir des rappeurs un peu des quatre coins de l'île. Et ça a pris de l'ampleur après. Et on a pu rencontrer Atep, les Future Crew, tout ça. Et grâce à ça, lui, Atep, il avait créé qu'un seul truc, ça s'appelait Hot Game Family. C'est à partir de là que tout est parti au final. Après les prod rap à l'époque, je me suis diversifié un peu. J'ai fait du Sega avec Emmanuel Ibarra, avec David Lévisin. J'ai fait aussi du Zouk avec Métis, un peu de raga mélangé, une touche orientale avec des artistes de mon label, Master Bass. Il y avait aussi avec Timat, avec Benjam. Et j'ai fait aussi, par le biais d'un super pote à moi, Nico Prod, on avait fait un son pour l'album de Vita à l'époque, qui s'appelait Emmenez-moi. Alors, le meilleur souvenir pour moi, c'était la fête de Saint-Paul, c'était le 14 juillet, qu'on a été invité pour chanter avec toute la troupe, quoi. Et cette époque-là, c'était bien. Pourquoi? Ça m'a fait rigoler aussi, dans un sens, parce que j'avais le bras cassé. Et j'étais sur scène avec ce bras cassé-là. Et c'était un plaisir parce qu'il y avait beaucoup de monde. On était en avant-première d'un artiste, mais je ne sais plus c'est qui. Et franchement, pour cette époque-là, pour une première scène, grande scène de La Réunion, on était très fiers. Mon rêve à moi, ce serait quoi? Ce serait de pouvoir bosser avec tout le monde au final. Qu'on se donne la chance pour aller plus loin. Dépasser les frontières à La Réunion là et voir au moins un artiste réunionnais réussir partout ailleurs, tu vois, mais pas un artiste qui est déjà en France, hein, mais un vraiment qui sort de là qui va réussir à l'extérieur. C'est ça vraiment le rêve de tout le monde. Fille. Projet à l'avenir, bientôt je suis en train de bosser dessus, c'est un compil hip-hop à l'ancienne avec tous les artistes rappeurs locaux anciens, tu vois. On a essayé de rassembler un peu tout le monde pour faire une compile propre. Et aussi je bosse aussi avec un pote à moi ici, il s'appelle Simon. On fait de l'électro house, du type house et tout ça. Et tout ça sans prise de tête. Oh mamma mia, nous on vient pour te faire mouiller.
bois, zot gosier comme un entonnoir. Le DJ, les masqués, le bon tantine dans le canapé. La poux vomit, la poux vomit dans le canapé. La poux soquée, la poux soquée dans le canapé. La poux fionnée dans le canapé. Sauter, sauter, jump, jump dans le canapé. Fonk dans le coin, il s'abanane. Bouc dans le coin, il s'abanane. Note tout ensemble, nous s'abanane. Tire sur ton joint, c'est la bonne année. Mama yo, numéro uno. Petit, c'est trop lent, fais secouer le coco. Bougez le haut, bougez le boyo. Y'a de l'écono, parlons pas de Bruno. Antepela, Conix, Rocco, Mani, Faya, un poco loco. On est rivaux, on est poteau. Shorté, maillot, culotte, bateau. Nous vous fait danser, c'est l'esco mela. Vous fait danser, c'est l'esco mela. Nous vous fait danser, c'est l'esco mela. Vous fait danser, c'est l'esco mela. Nous vous fait danser. Oh mama, you. Et tout ça sans prise de tête. Oh mama, you.